elle, c'est le bonheur. Salut, comment vous allez? C'est Stan Africa encore, je suis Badri et je vous souhaite la bienvenue dans Chez Maman Africa. Alors dans cette nouvelle édition de Chez Maman Africa, nous nous amenons à Aoulanko. Aoulanko qui est situé à Grand Bassam, précisément à Vitré, en Côte d'Ivoire. J'espère que vous êtes prêts, on va vous montrer quelque chose de ouf, de ouf. Très bientôt. Et voilà, on est bien arrivé à Bassam avec quelques minutes de retard. Là, je m'en vais chercher mon équipe et ensemble, on ira habiter d'eux. Ok, salut, comme vous pouvez le voir, nous sommes à Vitré 2, 25 minutes après d'avoir bougé de la gare de Bassam. Là, nous allons marcher pour aller vers la berge qui va nous amener directement à Aoulanko. On a encore 10 minutes de marche à faire. J'espère que ça vous tente, on continue l'aventure. A tout à l'heure. C'est là-bas que j'aime aller. Son cœur ne connaît pas de frontières. Chez elle, on peut danser pieds nus en regardant vers la mer. Il y a en elle 10 000 couleurs. Le soleil et la terre s'invitent chez elle, c'est le bonheur. On y va. À la guerre. À la guerre, 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 au bon. À la guerre, 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 au bon. Un coup de canon. Vous connaissez ce tonton-là, non? Oui. Ou bien? Oui. Alors, nous, c'est Stena Africa. Qui peut répéter? Charles. Ou bien Moïse. Stena Africa. On fait ça ensemble. Stena, répétez. Stena. 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 Africa. 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 Et. 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 Que. Que. Reformez. 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 Allez, trois doigts pour nous deux. Trois doigts. Qui sait pourquoi on est là? Pour chanter pour les enfants. Ah d'accord, pour chanter pour les enfants. D'accord. C'est là-bas que j'aime aller. Son cœur ne connaît pas de frontières. Chez elle, on peut danser pieds nus en regardant vers la mer. Il y a en elle 10 000 couleurs. Le soleil et la terre s'invitent chez elle, c'est le bonheur. Ma vie est pareille à l'éclairage. Qui est veillé sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'éclairage, qui est veillé sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes.
Alors, chers amis, j'espère que vous avez adoré cette petite aventure que nous avons réussi à vous faire découvrir sur Awranko. Ce fut un moment formidable pour nous, pour l'équipe de l'ONG Cœur Réformé qui nous a amenés dans ce campement où ils ont l'habitude de s'occuper des enfants. Et nous, membres de Stand Africa, qui sommes venus découvrir un peu l'ambiance dans ce coin un peu perdu, qui est quand même dans Abidjan. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis. C'était chez Maman Africa, organisé par Stand Africa. J'ai aimé l'aventure, j'espère que vous avez aimé. Et les amis ont peut-être des mots à vous dire. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as aimé l'aventure ou pas? Oui, j'ai vraiment aimé cette première mission. J'ai vraiment aimé le cadre et tout. C'était vraiment bien. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré du début jusqu'à la fin, de la pirogue jusqu'à l'activité, tout. J'ai adoré. Pour une première, c'est vraiment une découverte et je pense que ça a refait. Ça nous fait plaisir de partager des moments comme ça avec des enfants. En tout cas, c'était bon. Voilà. Une première, c'était vraiment formidable. Et comme on le dit chez nous, c'était as. Stena. C'est Stena Africa. J'ai aimé, j'ai adoré. C'était une nouvelle découverte pour moi. Et puis une nouvelle terre. Et puis les œuvres qu'on faisait pour ces jeunes enfants. En tout cas, j'ai aimé. Pas de mots à dire. C'était très bien. C'était très bien. On a beaucoup aimé l'ambiance. L'ambiance, surtout que ce n'est pas la première fois. C'est pour nous un honneur de vraiment faire du bien aux enfants. Parce que pour avoir un regard sur les enfants, il fallait que tu aies un cœur réformé. Et nous sommes vraiment contents d'aller dans ce petit campement avec nos partenaires dans le but de guérir ces enfants-là. C'était vraiment très bien. Alors, chers amis, nous sommes contents de vous avoir fait découvrir ce coin et pour cette petite aventure. On espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine édition de Chez Maman Africa. À la prochaine. C'est marrant.